Qu'a voulu l'esprit du Concile Vatican II concernant la liturgie? On a entendu tout et n'importe quoi, et c'est un sujet sur lequel parfois on n'approfondit pas assez. On reste bloqué dans son idéologie, dans son a priori, on ne va pas au-delà. Alors je vous propose prochainement de m'entretenir avec un liturgiste, avec quelqu'un qui est docteur en théologie, avec quelqu'un qui a été chef de chœur, organiste, avec quelqu'un qui lui-même est profondément animé de l'esprit du Concile, mais dans sa pureté au niveau de l'application liturgique. Et je pense que ça peut être très intéressant de pouvoir converser avec lui, et je vous propose, sous cette vidéo, de pouvoir d'ores et déjà lui poser vos questions, et nous en débattrons ensuite avec lui. Je le reçois prochainement, et j'espère vous retrouver nombreux à cette occasion. Ce sera un échange qui se voudra être éclairé et non pas idéologique. Nous partirons sur des bases, sur des écrits, sur des textes et non pas sur des idées très souvent faussement reçues et une application qui parfois a dénaturé cet esprit que voulait le Concile en rapport à la liturgie. Je vous retrouve bientôt pour cet entretien qui sera, je n'en doute pas, très éclairant pour chacun de nous. À bientôt.